Mademoiselle, monsieur, bonsoir. Merci. Bienvenue en direct et en public. C'est dangereux, voilà. En fait, attention. Attention à la priorité droite. Bienvenue donc en direct et en public sur le plateau du Studio 4 de la télévision à Genève. Voici les 12 couples de minuit. Et nous, avec Maïtena et les chasseurs en exil qui sont quelque part dans ce studio en train de se préparer. Nous allons vous emmener jusqu'aux 12 coups de minuit et même au-delà jusqu'en 1993 avec une surprise à minuit. En tous les cas, merci d'avoir choisi la TSR pour passer ce réveillon avec nous. Et puis pour aller jusqu'en 1993, je pense que vous l'aurez compris, nous allons assister à une compétition de danse qui se déroulera en deux parties. Deux finales, une finale de danse standard et une finale de danse latine. Les finales de danse standard sont caractérisées par le fait que les couples sont rapprochés, qui sont en contact, et les finales de danse latine, évidemment, par le contraire, à savoir qu'ils ne sont pas vraiment ensemble. Alors, parmi les couples que vous avez vus évoluer autour de nous, 6 ont été qualifiés pour la finale de danse standard. Oui, tout ça pour que, un tout petit peu avant minuit, nous connaissions le nom des deux finalistes, à savoir la finale standard et la finale latine. Et ces deux couples vont gagner un prix magnifique, mais regardez plutôt. Deux croisières de rêve pour deux personnes pour les îles grecques d'une durée de 8 jours au départ de Lausanne, embarquement à Venise à bord du bateau Azur. La valeur de chaque croisière est de 4000 francs, chacune est offerte par Chandry Celebrity Cruises. Évidemment, les premiers ne seront pas les seuls à gagner quelque chose, ils auront tous un cadeau remis par la TSR avec grand plaisir, mais... Je crois qu'on peut lancer le concours. Oh, bon, on va y aller. Aucun problème. Place au concours. Voilà, et bien ces 6 couples finalistes dont on vous a parlé tout à l'heure, ils sont là et en ce moment, vous voyez apparaître leur nom sur votre écran de télévision. Et bien sans plus tarder, nous allons commencer. Début de la finale standard avec la valse anglaise. It was fascination, I know.
And it might have ended right then at the start. Just a passing glance, just a brief romance, and I might have gone on my way empty-hearted. It was fascination, I know, seeing you alone with the moonlight above. Then I touched your hand and next moment I kissed you. Fascination turned to fascination, I know, seeing you alone with the moonlight above. Then I touched your hand and next moment I kissed you. Fascination turned. Je vous propose, pendant qu'on regarde des images du ralenti, on vient de voir une valse. Ici, c'est une valse anglaise, mais il y a différentes valses. C'est clair, et au étonnement, la valse vient d'Italie et pas du tout de Vienne, comme on pourrait le croire. Elle est arrivée dans les pays du Nord, l'Angleterre et l'Allemagne, qui l'ont ensuite arrangée. Parfaitement, c'est une histoire aussi intéressante que celle du tango, qu'on va voir tout de suite, parce que le tango, bien qu'étant une danse latine, fait partie de la catégorie des danses standards, ce qui est assez exceptionnel, par rapport justement à ce contact rapproché, ce contact corporel dont on parlait tout à l'heure. Et puis, il faut savoir une autre chose assez spéciale, c'est que c'est une danse qui, à la base, se dansait entre hommes. À la base, mais pas ce soir. Pas ce soir. Ce soir, vous allez le voir dans un instant, les six couples vont danser ce fameux tango. Thank you.
Ça a l'air très simple, ils sont extrêmement souriants et détendus. Mais ça, il n'en reste pas moins que c'est une véritable compétition et que tous ces danseurs sont notés par des juges qui se trouvent autour de la piste, qui leur donnent non pas des notes, mais un rang de 1 à 6, donc le premier, le deuxième, le troisième, le cinquième, le sixième étant le... Le moins bon, c'est comme à l'école, le sixième rang, c'est celui qui est près du radiateur, vous voyez, le premier, c'est le meilleur. Et puis, moi, j'aimerais vous parler du tableau, parce que vous allez le voir apparaître plusieurs fois sur cet écran de télévision. Alors, on va voir là les résultats de la valse anglaise. Donc, ces tableaux correspondent aux résultats par danse. Alors, les petites notes tout au-dessus, ce sont les positions des danseurs. Alors, le couple qui porte le dossard numéro 7, comme on le voit, est premier. Le couple qui porte le dossard numéro 29, deuxième. Et le couple numéro 25 et numéro 3. Et en dessous, ce sont les rangs dont on parlait tout à l'heure qui ont été attribués par les juges. Il y a 5 juges, vous voyez, et ils donnent un rang à chaque couple. Alors voici le tableau de la valse anglaise. On va sans doute voir dans un instant le tango. Voici les résultats du tango, toujours par couple. Couple numéro 1, le dossard numéro 7. Couple numéro 2, dossard numéro 29. Et couple numéro 3, dossard numéro 25. Voilà, maintenant que vous savez tout sur ce tableau, je vous propose de poursuivre cette finale de danse standard. Alors après la valse anglaise et le tango, eh bien voici la plus ancienne des danses de couple, la valse viennoise. Bien, nous marquons une deuxième pause au milieu de cette finale standard, puisque j'ai à côté de moi Monique Curie, avec Dominique, son mari. C'est vrai qu'il faut le dire, on vous doit une grande partie de l'organisation de cette soirée, hein, les danseurs, les compétiteurs, c'est vous. Alors Monique, j'aimerais vous poser une question, j'aimerais savoir comment les juges, les 5 juges font pour communiquer les rangs qu'ils attribuent au secrétariat où nous nous trouvons. Alors c'est très simple, pour chaque couple, ils lèvent un carton. Alors ça, ce n'est pas la plus mauvaise note, mais simplement la première place. Alors, tous les juges ont des petits cartons comme ça? Voilà, notez de 1 à 6 si vous avez 6 couples finalistes. Puis c'est bien, s'ils s'ennuient, ils peuvent toujours jouer au tennis avec ça. Tenez, vous leur donnerez de ma part. Yvan, merci Monique. Venez voir par ici parce que toutes les danses que nous venons auxquelles nous venons d'assister jusqu'à maintenant sont des danses relativement classiques que nous connaissons tous à peu près. Mais il y a une de ces danses dans la finale des danses standards qui est inconnue. Peut-être méconnue seulement, et tout à fait étonnante. Alors je vais peut-être demander à ce couple de nous en faire une démonstration. Il s'agit du quick step, si vous voulez bien. Quick step, oui, donc. Vous allez voir, c'est... Déjà tu le vois, nom, c'est compliqué. Ça vient d'Australie, c'est... Vous allez voir. Ah oui, c'est étonnant, ah, voilà. Hein. Ça sautille. Ah, ce sont des galipettes. Alors ils vont sautiller un petit peu là, je suis sûre. Oui, attention, ils nous arrivent dessus, voilà. C'est quand même, voilà, alors ça c'est quand même étonnant. Mais par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est vrai que ça ressemble pas du tout. On peut c'est les une danse standard hein. Aussi. Hein. Bravo. Merci beaucoup. Voilà, donc une démonstration du quick step, pardon.
Et puis on va tout de suite revenir au concours. Donc pour chaque finale, il y a 5 danses, nous en avons déjà vu 3. Nous allons assister aux 2 dernières, dont le fameux Quick Step, mais juste auparavant, le Slow Fox. Somewhere beyond the sea, somewhere waiting for me, my lover stands on golden sands and watches the ships that go sailing. Somewhere beyond the sea, she's there watching for me. If I could fly like birds on high, then straight to her arms I'd go sailing. It's far beyond the stars, it's near beyond the moon. I know the shore we'll kiss just as before. Happy we'll be beyond the sea and ever again I'll go sailing. Hey! Oui, Maïtena. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à propos du Slow Fox ? Eh bien, c'est une danse qui est entrée en Europe en 1920. Elle a été adaptée par les Anglais. Un peu comme toutes les danses de société. Pas mal, oui, effectivement. Danses de salon. Et puis, vous pouvez regarder ce ralenti parce que vous pourrez apprécier les mouvements coulants de cette danse, ainsi qu'une évolution assez légère sur la piste. Et extrêmement gracieuse. C'est vrai. Absolument. Et puis, à propos du Quick Step. Alors, le Quick Step qu'on a vu tout à l'heure, c'est un peu le foxtrot américain pour ceux qui connaissent. C'est un rythme plus rapide, c'est vrai. Et puis, c'est un pas assez pétillant, comme disent les spécialistes. Dong-dong. Oui. Alors, regardons ce fameux Quick Step. We'll be right back.
Et bien voilà ce fameux quick step, le champagne des danses standards, comme le disent les spécialistes, et ils sont très nombreux, donc un petit coup des pattes comme ça, ça fera pas de mal. Alors, nous allons faire un point sur les résultats avec déjà la première danse de tout à l'heure. Avant le quick step, c'était le slow fox. Alors, le couple qui arrive en tête de cette danse est le couple qui porte le dossard numéro 7, le couple 29 est deuxième, et le couple 25 est troisième. En ce qui concerne la danse qui vient de se dérouler sur cette piste, le quick step, on devrait, oui, je sais, mais on devrait avoir les résultats. Ils se calculent en ce moment même. C'est pas évident parce que ça va très très vite. En tout cas, ce qu'on peut vous dire, c'est que ce sont pas du tout les résultats terminés de cette finale standard, parce que on va pas vous les donner maintenant. Ils sont en train de cogiter, les juges et le secrétariat, et on vous les donnera un tout petit peu avant minuit. Alors, est-ce qu'on peut faire un pointage sur le quick step maintenant? C'est bon. Alors, regardez ce tableau. Voilà, la première position pour le couple numéro 7, la deuxième position pour le couple numéro 9 et la troisième position pour le couple numéro 25. On peut donc déjà se faire une toute petite idée de ce qui pourrait passer pour cette finale standard, mais je vous le répète, on ne vous dit rien pour le moment, on vous lira un tout petit peu avant minuit. Et puis maintenant, et ben, un tout petit peu de magie, nous allons nous transporter à la pharmacie centrale grâce aux chasseurs en exil. Aspirine, vitamine, bonbons contre les maux de gorge, vous trouverez tout à la pharmacie centrale. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur, vous êtes le pharmacien? Vous m'avez reconnu? Ouais, ouais, ouais. Que puis-je pour vous servir monsieur? Voilà, j'aimerais des... J'aimerais des croûtes s'il vous plaît monsieur. Des quoi pardon monsieur? J'aimerais des croûtes s'il vous plaît monsieur. Des croûtes? Non, j'aimerais des croûtes s'il vous plaît monsieur. Oui c'est bien ça, des croûtes. Oui, non, enfin, j'aimerais des croûtes. Ah, je suis désolé, monsieur, nous n'avons pas de croûtes. Vous êtes sûr que vous n'avez pas de croûtes? Ah non, je le saurais si nous avions des croûtes, monsieur. Non, mais ça, c'est sûr, moi, je suis sûr que vous avez des croûtes. Écoutez, je vais encore voir derrière le comptoir, si... Oui, oui, oui. Ça m'étonnerait que nous ayons des croûtes, monsieur. Ah, Lisa, est-ce que nous avons des comment vous dites, monsieur? Des croûtes. Des croûtes. Non, ah, non, non, oui, c'est bien ce que je pensais. Non, monsieur, je suis désolé, nous n'avons pas de croûtes. Oui, mais ça, c'est bizarre, parce que dans toutes les pharmacies, il y a des croûtes. Ça sert à quoi, monsieur? Ah, ben... C'est pour la tête. Ah non! Ah non, 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 non. C'est pour les mains. Non! Non, non, non. Ça s'avale. Ah non, 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 ça, c'est... Capote! Ah, ce sont des capotes! Mais il fallait dire plutôt que c'est des capotes! Lisa, ne cherchez plus, ce sont des capotes! 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 Une boîte de 12 capotes! 50 capotes! Ah, quelles sont belles mes capotes! Et avec les capotes, qu'est-ce que je vous sers d'autre, monsieur? J'aimerais bien quelque chose contre la constipation, s'il vous plaît. Contre quoi, monsieur? Contre la constipation, s'il vous plaît. La... Non, la constipation. Oui, c'est ça, la... Non, vous avez probablement un médicament contre la constipation, parce que la constipation est une maladie fréquente, n'est-ce pas? La constipation! 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 Capote, constipation. Capote, constipation, constipation. Capote, 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 capote. Constipation. Capote, capote, constipation. Arrêtez! Bah alors? Arrêtez, s'il vous plaît! La 4, on reprend là! Arrêtez, s'il vous plaît! Arrêtez! Arrête! Marcel, arrête! Jean-Louis, arrête! 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 Qu'est-ce qui se passe, mes enfants, enfin? Mais à 4, on reprend!
Les cœurs, constipation, capote. C'est le final, c'est le final, il faut chanter, bonsoir. On l'a répété tout l'après-midi, mais ça. C'est vrai, ça, bonsoir. Ah, incroyable. Et les castrats, là, qu'est-ce qu'ils font? Là, c'est constipation, capote. Allons-y, on fait encore une petite répétition. 1, 2, 3, 4. Ouais. Mais c'est une mousse. Sortez-le. Sortez-le, mon Dieu. Capote. Voilà, ça vient. Alors, le leader, faut les tenir un peu. Constipation. Constipation. Bah voilà. Bah alors. Vous voyez, c'est parfait. On va le refaire. Maestro, s'il vous plaît, c'est le final. On y va. Incroyable. Allez-y. Hein. Capote. Constipation. Allez-y. Allez, plus fort! Capote, consommation! Eh bien, après ce passage abrupt dans l'univers parfois si délicat des chasseurs en exil, je vous propose maintenant un retour à des valeurs plus traditionnelles avec le club de danse de Ludwigsburg qui est classé second au championnat du monde de danse de formation et dont j'ai un digne représentant sous la main. Ils vont nous interpréter une valse de Vienne. Thank you.
Ah, la danse viennoise, les valses viennoises, c'est la danse de Sissi, des princesses, et c'est le rêve de toutes les petites filles. C'est même, paraît-il, du moins c'est ce qu'on dit, une des danses les plus demandées dans les écoles de danse, et c'est normal lorsqu'on voit ça. C'était le club de danse de Ludwigsburg, c'est une formation allemande de 6 couples, et comme ils sont très nombreux, on retrouvera tout à l'heure le club de danse de Ludwigsburg pour une deuxième démonstration. Là, ils seront 8 et ce sera un show standard, toujours bien sûr haut en couleur. T'es vraiment sûr que... T'es vraiment sûr que tu veux participer à ce concours-là? Moi, j'ai pas envie de participer, moi. Je veux gagner. Oui. Non, moi, je veux gagner le prix. Oui, non, mais d'accord. Moi, je me suis entraîné toute l'année pour cette soirée, je veux gagner. Oui, non, mais d'accord. Donc, je suis là pour gagner, je gagnerai. Non, mais faut et faire... personne ne m'arrêtera, tu non, sais. Non, d'accord, ça, je sais. Personne ne veut m'arrêter. Non, mais t'es sûr, t'as vu le niveau un peu des gens qui sont là? Non, c'est pas terrible. Ouais, non, mais enfin. Pas terrible. Non, je suis capable de. Je suis capable du meilleur comme du pire. Oui, hein. Non, mais ça, on va gagner, toi et moi. On va gagner, je te jure qu'on va gagner. On va gagner, on va avoir le premier prix, je te jure qu'on va gagner. On va peut-être les laisser s'entraîner encore un tout petit peu, Josiane et René, parce que je suis pas tout à fait sûre qu'ils soient exactement au niveau. Nous en avons fini avec la finale standard. Nous allons maintenant aborder la finale de danse latine. Qui dit latin dit bien entendu Brésil. Et nous avons la chance d'être accompagnés ce soir par un orchestre brésilien, l'orchestre Alegria, avec la participation de la chanteuse Marcia Maria. A gente quer valer o nosso amor, a gente quer valer o nosso suor, a gente quer valer o nosso humor, a gente quer do bom e do melhor, a gente quer carinho e atenção, a gente quer calor no coração, a gente quer suar mais de prazer. A gente quer é ter muita saúde, a gente quer viver a liberdade, a gente quer viver felicidade. É, a gente não tem cara de panaca, a gente não tem jeito de babaca, a gente não está com a bunda exposta. Quer viver uma nação, a gente quer ser.
Seconde partie de cette soirée de rêve dans un tout petit instant. Ah là là, c'est vraiment une soirée de rêve. Mais faut faire attention quand même. Voilà, hop, on a bien failli faire un accident. C'est vrai que c'est une soirée de rêve où Cendrillon elle-même aurait volontiers perdu le souffle. C'est vrai. Oui, on peut les applaudir. Alors, tout comme dans la finale de danse standard, sur les 12 couples arrivés en quart de finale, 6 ont été sélectionnés ce matin pour se disputer ici même, toujours en direct sur le plateau du Studio 4, la finale de danse latine qui va nous permettre d'arriver un peu avant minuit. Et puis comme vous l'avez sûrement remarqué, vous-même Yvan et vous aussi, la tenue, enfin j'hésite entre un peu moins ou beaucoup plus. Mais beaucoup moins. Beaucoup moins habillés, je veux dire, ça c'est tout à fait net. C'est sûr, oui. Ça ne les empêchera pas d'être jugés, ces danseurs, puisque ce sont des compétiteurs eux aussi. Et Yvan, vous pourriez peut-être nous présenter les juges. Alors les juges, il y a Michel Ribas, Daniel Turer, David Bonsa et Michael Scherer. Et voilà. Bien, puisque tout le monde est là, que le concours commence. Après cet orchestre brésilien, on continue notre périple en Amérique latine et ses rythmes torrides avec, pour commencer, la samba et ensuite le cha-cha-cha. Thank you.
C'est très chaud, hein. En dehors de ce commentaire tout à fait... ouais, ça osait, ce que vous dites. Mais c'est assez chaud. En tout cas, ça évoque bien Rio, son carnaval. Vous savez que la samba, c'est devenu une danse de société. Je dis bien de société. Mais je sais pas si en 1948. Je ne sais pas si c'est de société, si. Mais ça entraîne à la société en tout cas. Parce si, que... si. Alors, le cha-cha-cha, dans quelques instants, c'est une danse qui vient de Cuba, qui a débuté en 1954 à peu près, et qui s'est répandue très rapidement aux États-Unis et en Europe. Le cha-cha-cha, c'est un petit peu... Enfin, il tire du mambo, si vous connaissez, et puis de la raspa. C'est un rythme également très torride. Regardez, voici le cha-cha-cha. Juste avant de reprendre ce concours de la finale de danse latine avec la troisième danse, je propose que nous jetions un coup d'œil sur notre tableau pour voir les résultats déjà de la samba. Les voici. Couple numéro 1, le couple qui porte le dossard numéro 5. Deuxième place pour le couple numéro 7. Et troisième place pour le couple numéro 11. Je ne sais pas si le tableau est prêt pour les résultats de cha-cha-cha. Le voici, cinquième, couple numéro 5, première position, couple numéro 7, deuxième position, et couple numéro 11, troisième position. Voilà, troisième danse latine de cette finale de danse latine avec la rumba qui caractérise l'amour, la séduction entre l'homme et la femme. Jusque-là, pas trop de problèmes, sauf que l'homme est constamment repoussé par son partenaire, par sa partenaire dans cette danse. Alors là, c'est un tout petit peu plus gênant et c'est pas franchement la danse pour draguer. En tous les cas, c'est quand même une discipline importante dans cette finale de danse latine. Voici la rumba.
in the sunlight of your smile. In the summer of our life, in the magic of love, storms above scattered away. Lovers dreaming in the night, reaching for paradise. But as the dark shadows fade, love slips away on an empty stretch of beach. In the pattern of the waves, drawing pictures with my hand in the sand, I see your face. Skipping pebbles on the sea, wishing for paradise. Sandcastles crumble below, the restless tides ebb and flow. Listening to a shout, encore une toute petite pause pour laisser le temps aux juges de lever leur petite plaquette, comme on l'a vu tout à l'heure avec Monique. Et comme on est au milieu de la compétition, au propre comme au figuré, Maïtena, je vous propose de prendre la température sur la piste. Absolument, Yvan. J'ai réussi à attraper au vol Manuela et Clément, qui sont encore tout essoufflés, les pauvres, parce qu'ils viennent de finir leur rumba. Comment allez-vous ? Plutôt bien, ouais. Pas trop fatigué ? Un peu quand même, je souffle un peu, mais... ça fait plaisir quand même. Alors, est-ce qu'on stresse un peu à ce stade de la compétition ? Bien sûr, il faut dire que c'est une finale, donc chaque danse se suit sans interruption. Mais vous avez l'habitude tous les deux des compétitions ? Ouais, on en a. Ils ont respectivement 21 et 20 ans, et ça fait combien de temps que vous dansez ensemble ? Ça fait exactement 2 ans maintenant. Et ça fait combien de temps que vous dansez séparément ? 3 ans et demi. 3 ans et demi de danse seulement ? Avec notre partenaire, quoi. Emanuela ? Wie lange ? Oh ! Elle ne sait plus, elle est dans plein de... Vous avez une question à lui poser ? Oui, moi j'ai une toute petite question beaucoup plus terre à terre. Je me demande s'ils n'ont pas peur de prendre le rhume. Ils sont habillés assez légèrement, non ? Keine Angst für eine Erkältung. Excusez mon allemand. Oui, oui, non, je vous en prie. Nein, nicht wenn man so Turnier tanzt. Elle est entraînée à danser, tout ça, donc tout va aller parfaitement. Alors on vous tient les pouces, si très bien. Dire. Maintenant, nous sommes en mesure de vous présenter le tableau des résultats de la danse que nous venons de voir, qui est la rumba. Alors... première position pour le couple numéro 5, deuxième position pour le couple numéro 7 et troisième position pour le couple numéro 11. Voilà, suite de la finale de danse latine, il en reste deux. On commence par le paso doble, olé. C'est une danse qui symbolise la corrida, en tout cas pour les Espagnols. Thank you.
Voilà, dernière ligne droite de la compétition et de cette dernière soirée de 1992. Je vous rappelle que nous sommes toujours en direct et en public du Studio 4 de la télévision à Genève. Madame Ribas, bonsoir. Bonsoir. Alors, c'est vous qui ce soir représentez les juges, il y en a cinq. Dites-moi, j'aimerais connaître, en tout cas en grande ligne, vos critères de jugement. Alors, les critères de jugement, je dirais que, bon, déjà là, ce sont des couples qui ont une très bonne technique et un bon équilibre. Ce qui pourrait les départager, c'est la vitesse d'exécution, c'est la précision. Hein. Et oui, c'est sûr, la précision des gestes, la chorégraphie également est quelque chose d'important. Est-ce que le physique fait quelque chose ? Le physique, bien entendu. Bien entendu, il faut soigner sa présentation, savoir bien se coiffer, bien se vêtir est également très important. Madame Ribas, je vais vous laisser aller travailler à nouveau, mais j'aimerais qu'on parle du jive. C'est une sorte de rock'n'roll. C'est une sorte de rock'n'roll, mais je dirais qu'il y a plus de mouvements de corps. Dans rock'n'roll, on reste droit, tandis que là, quand même, on utilise bien les hanches. Eh bien, c'est justement avec le jive que nous poursuivons cette compétition, cette finale de danse latine. Sur ce rythme endiablé de jive que nous finissons notre deuxième finale. Cette fois-ci, les jeux sont faits, tout est fini en ce qui s'agit de la compétition, mais le spectacle, lui, continue. Vous aurez les résultats un petit peu avant minuit, le temps que tous les comptes se fassent, et puis il faut laisser vivre encore un petit peu le suspense en 1992. Et puis nous nous sommes dit de notre côté que nous ne pouvions pas finir l'année sans nous moquer un tantinet de nous-mêmes. Alors, je vous laisse imaginer avec quel plaisir les chasseurs en exil s'en sont chargés. Casse ! Le casse ! Casse ! Casse ! C'est moi, monsieur le numéro. Le casse ! Le numéro 15. Le numéro 15. Le numéro 15. Le numéro 15, c'est moi, monsieur. Quel numéro ? Le numéro 15. Le numéro 15, monsieur, c'est moi, monsieur. Numéro 15. Le numéro 15, c'est moi, monsieur. C'est pour quoi, monsieur ? C'est pour le permis, monsieur. Quel permis ? Permis de construire, non. Permis de pêche, non. Permis de conduire ? Non, c'est pour le permis de séjour, monsieur. Permis de séjour, monsieur. Séjour. C'est comme ça vous dites, le permis de séjour, monsieur. Séjour. Séjour. Vous êtes de quelle nationalité, monsieur ? Étrangère, monsieur. Vous travaillez ? Beaucoup, monsieur. Beaucoup. Je travaille beaucoup, beaucoup, monsieur. Beaucoup trop. Vous travaillez où ? Pardon ? Où est-ce que vous travaillez ? Où est-ce que vous travaillez, monsieur ? Chut ! Le patron, il dit, chut, pas dire, pas dire. Le patron, il dit, moi, chut, pas dire où tu travailles. Chut, rien. Vous travaillez au noir ? Comme ça vous dites, là, monsieur, comme ça, au noir, monsieur. Beaucoup trop au noir, monsieur. Vous travaillez au noir et vous venez me demander un permis de séjour. Exactement, monsieur, exactement ça, exactement, monsieur, exactement. Je suis désolé, monsieur, je ne peux vous fournir le permis de séjour. Et comment je vais faire pour rester dans le Suisse, monsieur ? Je ne vois qu'une seule solution, c'est de vous faire un passeport, monsieur.
J'ai déjà le passeport, monsieur. Oui, mais vous n'avez pas le passeport suisse. Eh non, j'ai le passeport étranger, monsieur. Eh bien oui, moi je vous fais le passeport suisse, monsieur. Vous me faites le passeport suisse? Eh oui, monsieur, avec le passeport suisse, plus aucun problème. C'est beaucoup mieux que le permis de séjour. Vous pouvez travailler n'importe où en Suisse, monsieur, avec le passeport suisse, monsieur. Vous me faites le passeport suisse à moi, monsieur? Eh oui, monsieur, vous avez une photo sur vous. Je vous le fais sur le champ, le passeport suisse. Mais oui, j'ai une photo, mais vous me faites le passeport suisse à moi, monsieur. Sur le champ, monsieur. Avec une photo. Et ça coûte combien? Rien, monsieur, c'est gratuit pour les étrangers. Ah. Merci, monsieur. Voici votre passeport. Vous êtes suisse, monsieur. Je suis suisse, monsieur. Eh oui, monsieur. Vérifiez quand même qu'il n'y ait pas d'erreur. Quel beau pays, les Suisses, hein, monsieur. Les montagnes, c'est un beau pays. Ouais. Je suis suisse, monsieur. Formidable. Regardez. Ma photo. C'est pas mon nom, là, monsieur. C'est pas mon nom, là, monsieur. C'est pas mon nom, là, monsieur. C'est pas mon nom. Regardez. Béliveau. Marcel Béliveau. Bienvenue à Surprise, Surprise, monsieur. Bien, on vous les a promis tout à l'heure. Retour sur ce plateau du club de danse de Ludwigsburg. Vous vous souvenez de cette formation allemande top niveau qui nous a fait rêver avec ce show viennois? Eh bien, on repart dans les étoiles dans quelques instants avec cette fois-ci un show standard, c'est-à-dire un medley des cinq danses qui forment ce qu'on appelle les danses standards. Alors que du côté des juges, ça paraît très agité, ce qui est bon signe. Ça veut dire que dans une dizaine, voire une quinzaine de minutes, on pourra avoir peut-être les résultats. Actuellement, il est exactement, puisque nous sommes en direct, 23h35-37 minutes. À peu près, je dis bien. Donc, on vous dira tout ça un tout petit peu avant minuit. Pour l'instant, voici le club de danse de Ludwigsburg.
C'est vraiment de magnifiques danseurs. Je crois qu'on peut vraiment encore les applaudir parce qu'ils sont vraiment merveilleux. Je vous rappelle, vice-champion du monde de danse de formation. Et puis, pour ce qui est des résultats du concours, eh bien, nous n'y sommes pas encore. On a déjà une petite estimation, mais pas vraiment encore vous le dire. On va encore attendre un tout petit peu. Et pour nous aider à attendre, eh bien, l'orchestre brésilien Alegria. Se chamava Carnaval.
le moment est arrivé. Je crois que nous allons bientôt connaître le nom des vainqueurs. Nous sommes accompagnés, pardon, par Monsieur Mojon, qui est directeur de la société Chandry Celebrity, voilà. Une société maritime. Vous allez très vite comprendre. Regardez ce que nos gagnants ont gagné, justement. Deux croisières de rêve pour deux personnes pour les îles grecques, d'une durée de 8 jours au départ de Lausanne, embarquement à Venise à bord du bateau Azur. La valeur de chaque croisière est de 4000 francs. Chacune est offerte par Chandry Celebrity Cruises. Bien, nous allons commencer par la finale de danse standard et par la deuxième position. Par la suite, vous verrez le nom des autres gagnants s'afficher sur votre écran. Deuxième place, le couple. Attention, le couple numéro 29, Jörg et Doris Zakares. On les applaudit très fort. Voilà. Alors voilà, vous recevez, monsieur et madame, une très belle montre offerte par la télévision suisse romande. Merci beaucoup. Merci. Et puis, c'est le grand moment. Première position de la finale standard. Je les vois, ils sont très tendus. Ils ont très très peur. Je prends un malin plaisir. Le couple numéro 7, Thomas Kor et Fabienne Studer. Ils ont une tenue latine, mais ils ont concouru aussi pour la finale de danse standard. Standard, exactement. Ce qui explique leur tenue maintenant. Félicitations. Merci beaucoup. J'ai gagné une croisière Chandris. Ça s'appelle la croisière du Sirtaki. Merci beaucoup. Félicitations, monsieur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, avec monsieur Mojon le remet cette magnifique bravo. Croisière. Bravo. Merci. Et puis, en ce moment, s'affiche sur votre écran de télévision les places suivantes, à savoir la 3, 4, 5e et 6e position qui recevra également, enfin pour tous ces couples, un magnifique cadeau offert par la télévision suisse romande. Et puis ben, je connais derrière moi qui doivent s'impatienter sérieusement. Oui. Ce sont les compétiteurs de la finale latine. Alors j'appelle pour la 2e place le... Ouais, d'accord, on a gagné. Alors, non, on avait attendez, le numéro 5, je suis très d'accord. Non, je crois pas. C'est la 2e place. Non, j'ai gagné. C'est pas les deuxièmes, non? C'est pas non, c'est pas vous du tout. Non, c'est pas vous les deuxièmes, c'est pour la 2e place de la finale latine. J'appelle Thomas Kor et Fabienne Studer, numéro 7. Les revoilà. Décidément magnifique. Bravo. Voilà, on fait une petite distribution. Voilà la montre offerte par la télévision suisse romande. De magnifiques, superbes montres. Merci mille fois. Bravo. La tension monte. C'est un peu sadique de faire durer comme ça. Hein. Oui, allez-y. Bon, alors je dis. Première place de la finale de danse latine. J'appelle le couple numéro 5, Roland Haller, Nicole Hansen. Bravo. Bravo. On peut les féliciter, ils ont été très très beaux. Monsieur Mojon. Voilà, vous avez gagné la croisière Sirtaki. Bravo, c'était formidable. Merci beaucoup. J'en connais qui finissent bien l'année quand même. Bravo, monsieur. Madame. Voilà, et encore bravo, on peut vraiment les applaudir. Bien entendu. Comme pour la finale standard, ce ne sont pas les seuls à avoir gagné quelque chose. Les autres couples ont aussi évidemment gagné des cadeaux différents que la télévision suisse romande leur offre. Et puis, on peut les applaudir tous aussi. Bravo. Voilà. Maïtena, je vous propose de faire une chose. Je vous propose de rappeler les deux couples finalistes gagnants de ce soir pour une petite minute. Hein. Alors, on rappelle sur ce plateau les deux premiers couples gagnants
Si vous êtes prêts à danser, évidemment, voilà, ils posent leur cadeau parce que c'est un peu lourd, tout ça, une croisière, ça pèse très lourd. Alors, on va les faire travailler un peu puisqu'ils ont gagné. Thomas Corr et Fabienne Studer pour la finale standard. Absolument. Et pour la finale latine. Et pour la finale latine, Nicole Hansen et Roland Haller, voilà, qui vont danser quelque chose pour nous. Regardons-les. Looking out for you, but you're not here. What's another year? I've been waking such a long time, reaching out for you, but you aren't near. What's another year? What's another year for someone who's lost everything that he owns? What's another year for someone who's getting used to being alone? I've been praying such a long time, it's the only way to hide. Voilà les champions de ces deux catégories dont je vous rappelle les noms une dernière fois. Il y avait Thomas Corr et Fabienne Studer pour la finale de danse standard. Et pour la finale de danse latine, il y avait Roland Haller et Nicole Hansen. Je vous ai promis une surprise en début d'émission. Vous savez qu'à l'approche de minuit, le 31 décembre, tout est magique. Mais la tradition veut que ce jour-là, à cette heure-là, Guillaume Chenevière, directeur de la télévision suisse romande, vous souhaite ses bons voeux. Voici Guillaume Chenevière. Merci. Mesdames et messieurs, bonsoir. À l'approche de minuit, je suis heureux de vous apporter les vœux de la télévision suisse romande pour 1993. L'année qui s'achève n'a pas été facile et on peut même se... Et on peut même dire avec la reine d'Angleterre qu'elle a été horriblement mauvaise et que nous sommes assez soulagés de l'avoir derrière nous. Excusez-moi. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que oui, vous non, faites là? Je voulais juste dire que je ne suis pas d'accord. Comment vous n'êtes pas d'accord? Oui, excusez-moi, monsieur le directeur, mais je ne suis pas d'accord. Je veux dire, moi, en tant que 1992, je trouve que c'est une belle année. Il y a eu plein de choses. On a quasiment réussi un petit peu à apaiser le Proche-Orient. On a gagné les Jeux Olympiques avec Marc Trosset. Ben écoutez, regardez dans quel état vous êtes. Et puis, quelle idée vous a pris de vous mettre le drapeau européen au milieu de la figure? Ah, l'Europe. On est au cœur de l'Europe, l'Allemagne d'un côté, l'Italie, la France, écoutez, la Belgique. Madame 92, nous sommes en Suisse, pas en Europe. Ah oui, non, ça c'est pas malin. Vous voyez, j'ai déjà une quantité de drapeaux. Comment je vais faire maintenant? Je me réjouissais, je me disais, voilà, ça en fait un de moins. Oh, la Suisse, voilà. Déjà qu'avec l'URSS, j'en ai, vous avez vu, je les ai jusque-là. Hein? Schwitz! Wir sind in der Schwitz! Ja, es ist der Schwitz. Ich bin, ja, liebe Schweizer, ich bin sehr froh, auch heute Abend mit euch zu sein. Es ist schon schade, dass ihr nicht mit uns zusammen votieren könnt. Aber es geht, wir machen schon etwas zusammen, ja? Mais on n'est pas en Suisse alémanique ici. Ticino, el Tisin, la patria dei miei antenati. Allora, per il Ticino, devo dire che è la prima volta che votate come quelli della Svizzera tedesca. Un po' peccato, però la prossima volta facciamo meglio. Ciao, ciao. Alors, écoutez, nous sommes en Suisse romande. Il faut vous exprimer en français. Et si vous avez quelque chose à dire, il faut le dire très, très vite parce que nous n'avons plus beaucoup de temps. Ouh, je vais allez, 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 allez. Ah oui, ben, j'avais commencé en français. Non, alors je voulais dire que finalement, tout n'est pas si tragique. On est vivants. Il y en a plein qui sont morts. Hein? D'ailleurs, moi, je vis. Je fais de temps en temps des petits. Tout ça. Tout mais ça. C'est des insanités. Tout ça n'intéresse absolument pas le public. Écoutez, non. Je vous en supplie. Voilà, vous restez tranquille et vous me laissez continuer. Alors, mesdames et messieurs, je forme le vœu qu'en 1993, la Suisse romande trouve en elle-même les ressources
pour surmonter la crise et pour en sortir. Ah, mais la crise, je m'excuse, mais de quelle crise on parle? Non, parce qu'il y a des petites crises, pas ça, et il y a des grandes crises. Je ne suis pas responsable de toutes les crises. Oui, tout ça n'intéresse pas ici. Parce qu'on dit toujours, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Je ne suis pas d'accord. Le bonheur des uns fait le bonheur des autres. C'est vrai, ça déteint. Au fond, plus on est heureux, plus les autres sont heureux. Ce n'est pas parce qu'il y en a qui sont malheureux quelque part qu'il faut que nous aussi... plus on est heureux, oui. Oui, je crois vraiment que ça suffit. Vous blessez, continuez gentiment, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, je souhaite qu'en 1993, la Suisse contribue toujours davantage à la lutte contre les fléaux qui menacent notre avenir. Moi aussi. La violence, la famine, l'intolérance, le racisme. Contre l'intolérance, contre le racisme. La musique adoucit les mœurs. Vous prenez un petit morceau de bambou, vous faites des trous. Ouais, écoute. Bon, écoutez, vous avez fait assez de sottises jusqu'à maintenant. 92, votre temps est écoulé. Je tiens alors quand même encore à dire que... Disparaissez. Non, c'est fini. C'est fini. Il n'y a plus de temps pour vous. Maintenant, sortez. Non, je... Merci. Sortez. 93, pire. Allez, sortez monsieur, pardon, monsieur le directeur. Voilà, pardon, voilà. Allez, pardon, allez. Loin, directeur. Loin. Sortez tout de suite. Allez. Oh. Mesdames et messieurs, je suis absolument désolé de cette interruption saugrenue et désordonnée. Il est maintenant presque minuit. Je vous souhaite une année 1993 prospère, paisible, pacifique. Et je peux vous dire en tout cas que la télévision suisse romande aborde 93 avec une équipe renouvelée, rajeunie, qui saura, je l'espère, vous surprendre et vous plaire. Choses que vous désirez. Et puis la nouvelle année, c'est un peu comme une auberge espagnole. On n'y trouve que ce que l'on y amène. Alors je vous souhaite d'y inventer plein de bonheur, plein de joie et peut-être plein de fraternité. Bonne année 93. Et merci à tous ceux grâce à qui nous avons pu réaliser cette émission, les danseurs, les techniciens. À tous, excellente nouvelle année 1993. Bonsoir. On danse. On danse. Some noise we must do.